Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. Euh, Inch'Allah, durant les prochains jours j'ai décidé de vous approcher un petit peu de moi et de ce que je propose dans les ateliers et les formations à distance euh, pour que les personnes qui ne, pu, qui ne peuvent pas se payer donc mes formations puissent quand même euh, profiter et aller de l'avant dans leur vie. Euh, mais avant de vous faire cette série de vidéos, euh, J'aimerais partager avec vous celle-là, c'est le commencement, et qui est pour moi le but primordial de l'existence de chaque humain sur cette terre-là. Allah, Azzawajal, dans surat Al-Baqarah, euh, bien entendu, comme dans l'ensemble du Coran, il nous a expliqué que euh, On a été créé pour l'acte d'adoration. Mais beaucoup euh, ignorent cet acte d'adoration ador, parce que l'adoration, Al-Ibadah, c'est le grand titre. Pour pouvoir comprendre ce grand titre, il y a des conditions particulières, il faut lire entre les lignes pour pouvoir en arriver là. Euh, moi, il y a un verset euh, aussi, je crois, dans Surat al-Baqarah que j'adore et dans lequel Allah Azzawajal nous dit kama arsalna fi rusulan minkum, ayatina. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée, mais en gros, Allah nous envoie des messagers, d'accord, pour qu'on puisse enfin arriver euh, à cette adoration. Euh, Allah nous envoie au quotidien euh, des messages. Donc, il nous a envoyé des messagers qui nous ont euh, révélé des livres, mais malgré ça, la plupart euh, des gens n'arrivent pas à comprendre les livres parce que, comme je, je l'ai déjà expliqué, euh, les livres. Euh, ce sont des livres saints purifiés et sur lesquels il y a des cadenas, c'est-à-dire il y a des secrets, il y a euh, donc pas mal de voilà, enfin, je ne vais pas dire des parts d'ombre, mais les personnes qui ne sont pas purifiées euh, n'arrivent pas à comprendre euh, donc ce qu'ils doivent faire pour pouvoir profiter de ce naïm, malgré qu'ils font la prière cinq fois par jour et malgré qu'ils affirment à maintes reprises que qu'ils reviennent à Allah et qu'ils veulent suivre ce chemin euh, à Serat al Mustaqim constitué de valeurs pour qu'ils puissent jouir de ces ni'am. donc je vous invite à méditer ensemble dans ce verset dans lequel Allah nous dit je vous envoie des messagers d'accord pour qu'ils puissent euh, donc vous montrer des preuves, d'accord Donc, Al-Ayat, ce sont des preuves qu'on a au quotidien. Euh, quand on va pouvoir les intercepter, Allah nous purifie, al tazkiya c'est la purification, afin qu'on puisse devenir conscient, d'accord Afin qu'on puisse s'élever. Donc, le but primordial, c'est l'évolution et la progression de l'être humain. Comme on progresse et comme on, on, nous évoluons au niveau matériel, au niveau de notre corps depuis qu'on est, eh bien, au niveau de l'âme et de la conscience, c'est la même chose. D'accord Donc, on doit évoluer, progresser en se purifiant. Et Allah, ensuite, il nous dit quand vous allez euh, exécuter cette étape qui est euh, s'élever en conscience, Allah, ensuite, il nous dit il va nous apprendre ilm al-kitab, la science du livre. Alors, ilm al-kitab, c'est ce qu'Allah a écrit dans Allahu al al mahfud, donc, ce qu'il a écrit quand il a créé cet univers-là dans lesquels sont indiqués al aqdar le qadar ou le destin il y a deux types de destin d'accord il y a un destin négatif et un destin positif c'est pour cette raison on dit ad la prière change le destin le destin c'est un ensemble d'ingrédients d'accord si tu les suis tu arriveras à ilm malkitab, le savoir OK de ce livre là les secrets de ce livre là ensuite euh, Allah il t'apprendra la sagesse quand tu auras donc, quand tu seras arrivé à cette étape, la étape qui suivra, donc, c'est la sagesse, c'est-à-dire que tu seras non seulement conscient, mais aussi maître de ta vie. C'est-à-dire que tu es conscient que si tu suis les ingrédients, donc ce radar qui emmène vers le maktoub négatif, c'est-à-dire si tu as un résultat négatif au final, tu en es conscient. Et tu n'es même pas triste parce que tu l'as prévu quelque part, parce que tu savais et tu connaissais ce chemin là qui t'emmènerait vers cette destination. Et pareil pour le côté plus positif. Donc tu deviens conscient et tu deviens maître t as le contrôle de ta vie. OK Ensuite, une fois cette étape est dépassée, eh bien, ta clairvoyance est activée al basera Tu deviens par la suite parmi as Donc ces fameuses ces fameuses personnes qui patientent, donc ils patientent euh, quand elles passent par un chemin positif ou négatif, sachant que Bouchara les Saberin, ils savent que la fin de ce tunnel ou la fin de leur parcours, il euh, y a une bonne nouvelle à la fin qui les attend, donc ils profitent de leur vie, ils sont épanouis, ils sont heureux, euh, donc et ils profitent et ils jouissent de chaque instant euh, qu'ils passent dans cette existence qui est sur terre. Donc quand tu sauras ça, et eh bien, Donc, de tout ce que tu veux, tu connaîtras la recette. C'est-à-dire, tu connaîtras le chemin, tu ne deviendras pas voyant, hein, tu ne connaîtras pas l'invisible, mais tu connais les étapes, hein, et tu connais, euh, les, on va dire, les choses qui emmènent soit vers cette route, hein, ou euh, la route positive, ou la route négative. Hein. C'est ça, l'expression et l'explication euh, de cette ayat. Mais, la difficulté, c'est comment intercepter ces messages et comment évoluer. La recette, elle est très très simple. Elle est universelle. Vous la trouverez dans la Torah, vous la trouverez dans la Bible, vous la trouverez dans le Coran, vous la trouverez dans les livres du développement personnel, dans les formations chez les coachs. Tout le monde revient à la même chose. Tu ne peux activer la première étape qu'en t'acceptant comme tu es, avec tes propres défauts, d'accord, et tes propres qualités, en t'aimant d'abord toi-même. Et en te concentrant uniquement sur ta propre évolution et ta propre progression, tu ne t'occupes jamais de l'extérieur. Et encore une fois, La hata ton extérieur ne changera que si tu changes toi-même. Quand tu t'aimeras avec tes euh, défauts et quand tu t'accepteras comme tu es, tu vas obtenir cette force, d'accord, qui provient de toi, qui va se déverser instantanément. D'accord Et spontanément sur le monde extérieur qui changera automatiquement et sans aucun effort de ta part. D'accord Donc ça, c'est la première étape. T'aimer, t'accepter comme tu es, d'accord Et trouver euh, la force à l'intérieur de toi. À chaque fois que tu, trouves, que tu te trouves dans une situation où tu n'as pas de réponse ou dans une situation où tu critiques, tu juges ou tu accuses le monde extérieur, ça peut être tes parents, ça peut être ton mari, ça peut être l'État, ça peut être l'école, ça peut être le travail, ça peut être la belle-sœur, peu importe la chose extérieure sur laquelle tu mets euh, donc les, les, les excuses ou euh, tu mets euh, la cause, eh bien, je te conseille de fermer les yeux et de demander à Allah Azza wa qui est à l'intérieur de toi, plus proche que ta veine juvilaire. Quand tu feras euh, cette étape-là, à ce moment-là seulement, tu attesteras, tu feras ta shahada, d'accord Parce que la shahada ne s'acquit et ne se réalise qu'une fois que tu réalises qu'Allah existe à l'intérieur de toi, d'accord Et... Alors excusez-moi, j'ai encore un appel. Euh, désolé, je vais le bloquer. Je vais le refuser, pas le bloquer. Donc comme je disais, quand tu feras ça... Tu attesteras de l'existence d'Allah euh, qui t'accompagne et qu'il est plus proche, que toi, euh, plus proche de toi que ta veine juvilaire, et eh bien tu attesteras de l'existence de Dieu chez les autres. Parce que quand tu critiques, quand tu juges, quand tu accuses le monde extérieur, tu affirmes de la non-existence d'Allah. C'est ce qu'on appelle l'association à Shirk Ma'allah. Et euh, comme si tu disais, ces gens-là n'ont pas de Dieu qui les aime, n'ont pas de Dieu euh, qui les pardonne, n'ont pas de Dieu qui les guide. Donc il n'y a que toi qui as euh, le Dieu. Il les que pour toi. Et encore, quand tu nie l'existence de Dieu chez les autres, tu la nie également pour toi. D'accord Donc fais bien attention à ça. Je sais que ce que je dis euh, est très difficile. Euh, donc ce chemin ou cette quête de soi, ce chemin spirituel. Chacun, comment il l'appelle, le, le développement personnel, ou moi je préfère l'appeler le développement sociétal, parce qu'en te changeant toi-même, euh, tu impactes automatiquement et forcément ton monde extérieur. Euh, ce chemin-là, il est très difficile. Euh, c'est comme une plaie. Hein, donc au début, euh, si tu veux la guérir, tu vas lui appliquer un antiseptique. Il fait encore deux fois plus mal que la plaie elle-même. Mais une fois c'est fait, petit à petit, cette blessure-là, parce que. Euh, euh, voilà. Euh, avant que je passe à autre chose, parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps et les gens n'aiment pas trop les vidéos qui sont trop longues, donc j'essaie de parler trop vite. Des fois, je perds le fil. Donc voilà, ce chemin, c'est comme une blessure. Au début, tu la l'antiseptises, elle te fait deux fois plus mal que la douleur de la blessure elle-même, mais après, elle va se, voilà, se renfermer, elle va se guérir elle-même. Et toi, euh, pendant ce temps-là, euh, des fois, on ne fait même pas attention à la blessure alors qu'elle est toujours dans notre corps. Elle se renferme, renferme et puis après, elle se guérit d'elle-même en étant heureux et en, euh, en avançant dans la vie sans rester focus sur cette blessure et cette douleur. Et donc, ce chemin spirituel, c'est comme ça. Ou ce, cette quête de soi, euh, donc, elle peut paraître difficile, mais croyez-moi, l'introspection, c'est ce qui veut dire l'estirfar. Allah, Azzawajal, quand il nous demande de faire l'istirfar, donc il parle d'un vrai pardon ou du pardon véritable qui émane d'abord de notre intérieur. Si on ne se pardonne pas nous-mêmes en nous aimant et en nous acceptant comme nous sommes, parce que personne n'est parfait et tu ne le seras jamais. Allah, il a créé al qarin que beaucoup croient que c'est un djinn ou une entité qui les habite, mais non, al qarin c'est simplement l'ego qui se nourrit sur la jalousie. La haine, l'hypocrisie la, euh, qui, euh, qui se nourrit sur la colère, le rejet, euh, donc la résistance. Tout ça, c'est ce qui nourrit votre ego ou votre karine. Et c'est ce qui se passe après, à force, que ton karine euh, te guide et que, que c'est lui qui décide en permanence à ta place. Eh bien, en fait, tu, de, tu te détaches de ton âme. Cette âme qu'Allah a purifiée dès la naissance. Il lui a soufflé de son âme. Donc, il t'a chargé à l'intérieur de toi ces noms les plus beaux c'est pour cette raison que je vous ferai les vidéos concernant l'activation des noms d'allah, les plus beaux, mais d'une manière bien sûr, on va dire, pas très, pas comme dans les formations parce que ça prend beaucoup de temps. dans mes formations, il y a des exercices tous les jours. chaque jour, il y a un exercice différent. on vit un seul nom d'allah parmi ces noms les plus puissants et les plus transformateurs pendant une semaine. mais là, je vais faire une vidéo qui résume un peu les sept jours pour aider les personnes voilà, qui m'envoient des messages tout le temps sur WhatsApp et auxquels okay, je ne peux pas répondre parce qu'un accompagnement ne se fait pas en t'envoyant la réponse sur une phrase. Il faut connaître ta situation, il faut voilà, plusieurs accompagnements, plusieurs suivis pour que tu puisses changer. Mais je vais quand même faire ces vidéos-là en résumé parce que. Il y a beaucoup de gens qui profitent quand même, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, qui me disent que leur situation en écoutant les vidéos a complètement changé, ils ont transformé leur vie. Donc c'est pour cette raison pour vous rapprocher de ce que je fais, pour que vous puissiez quand même aussi profiter et avancer dans votre vie. Donc je vous ferai une formation, une des vidéos, à un peu près 7 ou 8, sur l'activation la, des noms d'Allah les plus beaux. Et donc. Al-esterfar ou l'introspection, donc ce fameux pardon véritable qu'on demande à Allah, qu'on nous accorde à nous-mêmes et après qu'on accorde aux autres, parce que si on ne se pardonne pas, si euh, on critique les gens ou qu'on les accuse ou qu'on les euh, condamne, eh bien, sachez qu'on euh, voit au nœud quelque chose qu'on n'a pas accepté, quelque chose qui nous fait peur ou quelque chose que, euh, que, que nous faisons qu'on n'arrive pas à se pardonner. Donc, quand tu te pardonneras, quelle que soit ta faute, hein, eh bien, tu arriveras facilement à pardonner les autres. D'ailleurs, hein, donc c'est pourquoi je vous fais souvent des vidéos avec des formules différentes? Euh, Estherphal, Allah l'a lié en permanence avec la pluie. Donc, la pluie, ça veut pas dire, euh, le, le, enfin, euh, Donc, ça veut pas dire simplement la pluie. Ça veut dire toutes les richesses du ciel et de la terre. Il l'a lié à l'argent. Il l'a lié à la descendance. Il l'a lié al-Anhar donc des rivières c'est-à-dire des richesses de la terre que ce soit au niveau des minéraux que ce soit au niveau de l'argent le pétrole les, 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 le savoir il y a des pays subhanallah, ils ont un, un potentiel ou euh, un, un PIB de savoir j'ai envie de vous dire euh, donc c'est pourquoi donc Allah Azzawajal, voilà il a lié cette introspection cette euh, quête de soi ce contrôle qu'on va exercer euh, sur. Enfin, euh, ce n'est pas le contrôle, ce, cette observation pour que nous puissions de devenir maîtres de notre vie. Euh, il l'a lié avec Al-Esterfar et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on fait la prière cinq fois par jour. On revient à chaque fois à Dieu pour lui dire de nous pardonner. Donc, normalement, c'est un moment euh, dans lequel tu vas te confier à Allah, lui demander de l'aide pour que tu puisses revenir et recommencer une nouvelle page. Donc, pourquoi on fait la prière cinq fois euh, C'est vraiment pour. Euh, donc. Euh, on va dire avouer que nous sommes des êtres faibles, euh, qui faisons des fautes. Des fois, ben, on va, le, le karim ou l'ego va prendre le dessus. Des fois, ben, ça va être notre âme, notre vrai soi qui va euh, prendre une décision ou qui va agir euh, le, lors d'une situation. Mais il faudrait qu'il y ait cette introspection, d'accord Mais pour cela, il faut être conscient. Sachez également que euh, 90% de notre attitude au, au quotidien émane de notre inconscient. On les d'une manière machinale, d'une manière automatique, sans même qu'on soit conscient de ce que nous faisons. Et euh, l'inconscient, en fait, c'est la partie des désirs. c'est pour cette raison, Allah Azza wa jalla, la passion, les Shahawat, il en a parlé dans le Coran. Et donc, les personnes qui se laissent guider par leur chahouette. Et Beaucoup croient que la chahoua, c'est boire de l'alcool, c'est aller écouter de la musique, danser en boîte de nuit, faire enfin, la azina, la, etc. Non, il n'y a pas que ça, la chahoua. La chahoua, c'est quand, par exemple, quelqu'un qui est en face de toi te dit un mot exprès pour te blesser, mais normalement, il le fait parce que lui aussi s'est senti en souffrance. Lui aussi, il a eu peur, donc c'est pour cette raison il a agi de la sorte. Mais quand toi, tu n'es pas conscient et que tu vas répliquer, tu vas réagir, de la même manière, et tu vas encore lui enfoncer le clou, bah, ça s'appelle al Tu ne t'es pas contrôlé, tu as laissé ton karin ou ton ego agir à ta place. À force de laisser ce karin agir à ta place, au bout d'un moment, ce qui se passe dans la vie des gens, eh ben, ils deviennent malheureux. Il y en a qui vont se sentir un vide. Ils ne savent, ils ne trouvent même plus aucun sens à, à leur vie alors qu'ils ont une famille, ils ont un travail, ils ont de, une maison, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils vont avoir soit de la dépression, soit un vide, soit euh, du désespoir, soit... Bon, bref, peu importe, des problèmes ou des, euh, fin dans, les, dans la famille, ou des problèmes de couple, ou même des maladies, à force que tu ne sois plus toi. Tu peux tomber malade et avoir de graves maladies dans ton corps parce que ton corps, il essaye de te rappeler qu'il faut que tu t'exprimes, il faut que tu sois, que tu fasses preuve de présence dans l'ensemble. Tu ne le seras pas dans la majorité euh, de, des événements de ta vie, mais en tout cas dans les 100%. Mais il faut que tu sois majoritairement conscient, tu sois toi-même quand euh, tu te comportes au quotidien, quand tu vis à tous les niveaux. D'accord Donc, ça, c'est la première étape. Euh. Deuxième étape, euh, deuxième étape, c'est de faire attention à ce que tu laisses pénétrer à l'intérieur de ton cerveau. Comme j'ai dit, tout ce qu'on euh, entend ou tout ce qu'on voit, même d'une manière qui n'est pas exprès, la télé, les amis, la famille, euh, etc. L'internet à même, hein, donc si tu n'es pas tout à fait en phase avec ce que je dis, bah, change de chaîne et va voir ailleurs. Mais euh, ce que nous entendons et nous regardons. En fait, euh, quand on ne fait pas de filtre, tout ça se stocke automatiquement dans notre inconscient, d'accord Et c'est notre inconscient qui nous dirige. Hein Donc, les 70% de nos comportements, ils sont dirigés par notre inconscient, comme je dis. Donc, du coup, si tu écoutes en permanence que euh, tu es nul, que tu n'y arriveras pas parce que c'est en Mektou, ou que. Euh, euh, comme notre expression favorite au Maroc et en, euh, en Algérie également en Tunisie, dans les pays du Maghreb, on dit, ne fais pas de bien, tu seras tranquille. Ou on te, tu donnes la main, on te prend un bras. Ou euh, de toute façon, euh, euh, voilà, c'est comme ça, les gens ne sont pas, ils sont ingrats. Ce genre de choses, fait le filtre, d'accord Fais le filtre sur ce que tu entends. Ou euh, pour réussir, il faut de l'argent. Ou euh, pour... Enfin, euh, la vie, c'est qu'une souffrance. Donc tout ça se stock automatiquement dans ton inconscient et c'est ce qui te dérige. Pourquoi je, vais, je te dis ça parce que en fait nos pensées, c'est une petite image, d'accord, qu'on va nourrir par nos sentiments et par nos émotions. Cette image là qu'on a dans le monde matériel qu'on appelle dans le Coran, l'angage du Coran, le monde de ash du témoignage parce que tu témoignes de ta vie donc tu la vis pour être témoin de quelque chose, il faut la vivre, c'est ce qui constitue ta réalité. Donc si ta réalité dit que tu es nul, T'es chiant, t'es malheureux, tu n'y arriveras jamais, tu, tu es pauvre, euh, tu es quelqu'un de pas confiance, pas d'honnête, etc. Eh bien, à force de nourrir cette idée, tu vas la faire vivre, et cette idée là, en fait, c'est ce qui se transmet au monde de l'invisible, la l'amalraib, qui est en parallèle, il existe même en ce moment, c'est pourquoi je vous ai commencé la vidéo par Al ou al Maktoub deux types de Maktoub, deux types de destin le positif et le négatif. D'accord Donc, ta version là où tu es aujourd'hui en souffrance parce que ton mari te traite pas comme il faut, parce que tes enfants ne sont pas obéissants, parce qu'ils se droguent, ou parce que tu as du mal à joindre les deux bouts, parce que tu vis la dépression, parce que tu ne trouves pas ton partenaire idéal, eh bien, en fait, à côté de ça, dans un monde parallèle, il y a ta version là où tu as tout ce qu'il faut, de tout ce que tu veux. Allah il dit, ça, c'est notre richesse, elle n'a pas de fin. D'accord Donc, à toi de décider quelle image tu veux choisir. Est-ce que tu veux croire que ta vie dépend de celle des autres Eh bien, malheureusement, je vais te dire que tu vas rester pauvre et esclave de l'attitude des autres. Et si les autres ne changent pas, bah, tu resteras comme ça. Donc, tu es dans l'association. Et crois-moi, Allah ne guidera jamais les personnes qui associent les événements, les gens, l'argent avec lui. Donc nourris cette image par l'Iman à la fois, renouvelle ton attestation. Donc une fois que tu fais ça, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que tu vas y croire, d'accord Tu vas prendre de l'énergie nécessaire pour nourrir cette image par Allah en ayant foi à ce qui est positif en l'humanité, d'accord Petit à petit tu vas vivre cette image là alors que elle est toujours pas là d'accord c'est donc du coup tu vas la nourrir avec ces sentiments positifs et elle va finir par athanasoul donc ce qui se passe c'est que elle va se transformer ou il va se déplacer parce que tethanasoul elle, elle est déjà là elle va se déplacer du monde de l'invisible à al alraïb vers alam », vers ton monde réel ou ton monde matériel donc Vraiment fais attention et entraîne-toi, c'est qu'une question d'entraînement. Il n'y a personne mieux que l'autre, donc on est toujours euh, donc pareil. Il suffit de te forcer, d'accord. Fais un programme. À chaque fois tu fais la prière, fais cette introspection. Il n'y a personne qui t'entend, personne ne peut te juger. Entre toi-même et Allah Azza wa Jalla, révèle-lui ce que tu as fait de mal aujourd'hui. Pourquoi t'as fait, euh, tu as agi de la sorte Pourquoi tu n'as pas fait preuve de bonté de bienveillance pourquoi tu n'as pas fait preuve de générosité pourquoi tu n'as pas fait preuve de patience est-ce que parce que tu as peur et ce peut que ça soit le cas est-ce que parce que tu as été rejeté un jour et du coup tu as peur que les gens t'abandonnent et que les gens te jugent et te critiquent tout ça c'est humain même moi aussi qui te parle en ce moment aujourd'hui ces sentiments-là m'envahissent pas la plupart du temps mais de temps en temps voire une fois par jour ça relève de la nature humaine et il faut l'accepter et s'aimer comme nous sommes, d'accord, et mettre l'intention. Et tu ne peux faire ça que en t'exerçant à voir la beauté dans ce qui est à euh, voir la bienveillance, la bonté et l'humanité même dans des actes de violence. Euh, mais la bonne intention dans l'ensemble des actes des gens qu'il y a autour de toi. D'accord Même si ce sont des actes violents, même si euh, ce sont euh, des choses qui ne sont pas honnêtes, eh trouve-leur une excuse. Ils sont en souffrance eux aussi, comme je t'ai dit. Ils ont peut-être un sentiment de peur, un sentiment de peur qu'elles soient rejetées ou critiquées ou abandonnées de ta part ou de la part des gens qui les entourent. C'est pour cette raison. Ils sont également contrôlés et euh, dirigés par leur ego. Donc, aie de la compassion, entraîne-toi, voilà, comme j'ai dit, à trouver une, un, une bonne intention aux gens beaucoup euh, vont dire mais euh, cela encourage les mauvaises actes euh, et ça emmène à la déchéance absolument pas accepter quelque chose c'est accepter d'accord sans jugement de valeur mais cela ne veut pas dire que je suis d'accord je suis que je suis du même avis que les autres mais j'accepte et j'accueillis son jugement d'accord euh, et sans euh, euh, essayer de changer les événements. C'est ça ce que ça veut dire. Même si tu as des enfants qui se droguent ou qui veulent arrêter l'école, donc si ce sont des mineurs, prends le temps de leur expliquer en commençant toujours tes phrases par je comprends tout à fait ton choix. Euh, si c'est ce qui te peut te rendre heureux, eh bien, euh, donc je t'accompagne quelle que soit ta décision et je serai toujours là par exemple pour t'aimer. C'est valable aussi pour vos maris, vos époux ou euh, vos, les membres de votre famille. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes d'accord ou que vous les encouragez à, à, à se droguer. Donc vous leur expliquez que vous n'êtes pas d'accord parce que vous avez du recul parce que vous êtes un parent qui, qui a peur hein, pour l'avenir de ses enfants, tout simplement. Et du coup, quand vous faites ça, euh, les gens, ils vont se ne vont pas se sentir envahis dans leur propre espace. Donc ils vont vous faire confiance et plein de fois, les enfants même changent d'avis ou les gens qui sont autour de vous, ils reconnaissent que ce n'était pas une bonne idée. Mais ils ne se sont pas sentis jugés, ils ne se sont pas sentis, euh, 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 on va dire, euh, pas piégés, mais euh, emprisonnés par les jugements, par les critiques que vous leur faites. D'accord hein, Donc c'est pour cette raison, des fois, euh, et c'est souvent donc, ce qu'on remarque chez les enfants, pour défier les parents et pour exprimer leur soi, ils font des, des choses qui sont même contre, contraires à leurs propres valeurs. Hein. Et n'oubliez pas, en tant que parents, ou en tant qu'époux et épouse, on prend l'engagement d'assumer les besoins de nos enfants, comme leur assurer un, un foyer, leur assurer à manger, euh, leur assurer de quoi s'habiller, d'être en sécurité. Mais on n'est pas responsable de leur avenir, donc s'ils ont choisi de se droguer, c'est leur propre choix, ils assumeront les conséquences. Chacun est responsable de sa vie, d'accord, certes ça fait mal, mais croyez-moi, quand vous allez apprendre la responsabilité à vos enfants dès, dès leur jeune âge, euh, je ne pense pas qu'ils euh, seront des drogués ou qu'ils vont rater leur vie mais il y a une différence entre engagement entre responsabilité et entre étouffer les gens, d'accord, donc c'est vraiment euh, trois mondes qui ne, voilà, ils ne sont pas euh, en harmonie ou ils ne sont pas euh, compatibles donc du coup, euh, apprenez à voir cette beauté dans euh, même les choses qui vous paraissent laides euh, vraiment mettez une bonne intention dans les actes euh, des gens. Et petit à petit, comme je vous ai dit, vous allez devenir ce qu'on appelle un Abd Rabbani, un adorateur divin. C'est ça, adorer Allah C'est ça, témoigner de l'existence d'Allah. C'est ça, devenir musulman, chrétien, juif ou ce que vous voulez. Si vous n'arrivez pas à voir Dieu chez les autres et dans le comportement des autres, dans la création dans l'ensemble vous pouvez la voir dans la nature vous pouvez la voir dans vos quartiers vous pouvez la voir dans l'intelligence de l'aimant, vous pouvez la voir dans la beauté des humains, dans cette différence même dans la différence des attitudes il y a Dieu, donc quand vous arriverez à voir Dieu, vous allez réellement attester c'est à ce moment là seulement que vous réaliserez ce que ça veut dire Allah akbar. d'accord quand vous ferez ça, eh bien croyez moi à ce moment-là, vous demandez tout ce que vous voulez, le résultat sera instantané. Parce que vous, serez déjà, vous aurez déjà connu la richesse à tous les niveaux. Euh, vous aurez connu l'amour et l'harmonie dans toutes vos relations. Vous allez jouir d'une très très bonne santé, loin des maladies. Et là, croyez-moi, tout ce que vous demandez, il n'y aura plus d'attachement. Euh, donc c'est ce qu'on appelle... Euh, Azad, az donc d'ailleurs, hein, c'est la vie euh, de tous l'ensemble des prophètes. Donc, ils ont tellement cette possibilité de manifester, et ils ont manifesté tout ce qu'ils ont voulu que les choses matérielles de la vie ne les intéressaient plus. Euh, et croyez-moi, hein, donc notre prophète n'était absolument pas pauvre. Hein, donc d'ailleurs, hein, Zakat Bayt il, il donnait l'équivalent de des millions voire des milliards de notre époque aujourd'hui. C'est simplement que les choses matérielles ne les intéressaient plus. Il donnait plus que ce qu'il recevait. Donc, en fait, voilà, enfin dans sa vie, il était tellement simple, et c'est le cas aujourd'hui de plein de milliardaires, hein, vous les verrez, vous ne diriez pas qu'ils sont propriétaires de ces villas ou de ces châteaux, tellement ils vivent d'une manière très très simple parce qu'ils ont goûté le sentiment de la richesse matérielle, de la richesse spirituelle. Euh, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que vous allez délaisser tout ou que vous n'allez plus avoir d'espoir. Au contraire, c'est quand vous arrivez à avoir ce sentiment-là, quand vous allez vivre dedans, eh bien tous vos voeux les plus difficiles ils seront exaucés, Inshallah. Donc, entraînez-vous à être euh, bienveillant, à exprimer la bonté, euh, à exprimer euh, la liberté de penser, d'accord, euh, à vous pardonner, d'accord, à voir... Des, avec des yeux du cœur et non pas de vos yeux euh, matériels. Faites attention au type d'idées euh, et au type de discussions, qu'elles soient intérieures ou qu'elles soient autour de vous. Et euh, soyez vrai. c'est-à-dire euh, il va falloir nourrir cette personnalité, parce que la personnalité, c'est ce qui apparaît de l'extérieur, hein, d'accord C'est ce qu'on remarque euh, donc chez une personne. Et en fait, l'hypocrisie, D'ailleurs, c'est pourquoi les hypocrites, leur place, c'est la plus basse hein, dans l'enfer. C'est-à-dire, c'est eux qui vivent souvent des situations des bas hein, donc très difficiles. Ils sont tout le temps dans une lutte ou dans un combat, que ça soit avec eux, ou que ce soit dans, au sein de leur famille, ou que ce soit avec l'État, ou que ce soit avec les institutions, avec leurs enfants, donc, ou avec une maladie. Pourquoi Parce que, comme j'ai dit, ils se sont détachés de leur âme. Et ils ont nourri uniquement une personnalité qui montre au monde extérieur et qui est à l'envers ou à l'encontre de euh, leurs vrais besoins. Donc, nourrissez votre personnalité de sorte à ce qu'elle se rapproche, voire qu'elle soit ou qu'elle devient identique à la vôtre. C'est ça, être soi, être présent, d'accord, et être conscient dans chaque comportement et dans chaque moment et événement de notre vie. Euh, donc, c'est d'ailleurs hein, le code de euh, Moussa, alayhi salam. Soi, qui euh, je suis où euh, et euh, celui qui est d'accord donc c'est-à-dire que euh, être donc euh, vraiment soyez présent euh, dans votre vie ne soyez pas ne vivez pas une vie qui n'est pas la vôtre nourrissez les choses que vous aimez euh, donc ne répondez pas euh, aux besoins des autres hein, au détriment des vôtres donc c'est ça l'hypocrisie et elle finira par vous faire souffrir parce que vous allez soit vous sentir responsable des choses qui ne sont pas qui ne vous concernent pas soit vous aurez de la culpabilité soit vous allez tellement vous délaisser que après ça sera trop tard mais même si ce n'est jamais trop tard. Donc je vous invite à faire un exercice qui consiste à identifier euh, tout d'abord les choses que vous avez besoin ou que vous euh, que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Ensuite demandez-vous euh, pourquoi ces choses-là ne sont pas réalisées euh, Est-ce que dans ce questionnement, il y a une faute que vous remettez sur les autres Est-ce que c'est l'État Est-ce que euh, ce sont vos, les membres de votre famille, euh, des copines, des amis, euh, une institution, des collègues au travail Et en fait, quand vous allez identifier, vous allez vous poser la question en quoi vous les critiquez, d'accord Pourquoi vous les condamnez Pourquoi vous les jugez ou bien, qu est -ce que vous, quelle est la manière avec laquelle vous attendez à ce qu'il se comporte avec vous Et surtout, 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 la question primordiale pourquoi C'est-à-dire, si, par exemple, vous vous sentez euh, pas considéré dans votre foyer ou dans votre famille, alors euh, qu'est-ce que voilà, vous, enfin, si par exemple vous avez identifié que euh, vous, les, les, les gens ne vous considèrent pas, d'accord, ne se comportent pas euh, comme il faut avec vous, et eh bien, euh, pourquoi d'accord qu'est-ce que vous attendez ou quel est le comportement que vous attendez de leur part et pour quelle raison parce que si c'est un manque de, de considération ou un manque de respect il provient de vous-même vous, vous n'avez pas le respect de vous-même vous ne vous aimez pas assez et ça se ressent par l'extérieur donc n'attendez pas ce, cette considération ce, ce respect ou cet amour des autres il ne viendra jamais et je vous le garantis quand vous commencerez à vous respecter, parce que vous êtes une créature d'Allah, privilégiée et honorée. Quand vous allez recevoir cet amour de la source, qui est Allah, eh bien, ça va tellement se ressentir sur vous que vous allez dépenser cet amour euh, sur les autres. Et du coup, ben, automatiquement, Allah il dit Vous n'obtiendrez victoire, c'est-à-dire vous n'obtiendrez ce que vous voulez, jusqu'à ce que vous dépensez de ce que vous aimez. Donc, quand tu t'aimeras, tu te respecteras te considéreras et eh bien ça va se ressentir tu vas pouvoir donner du respect de l'amour et de la considération aux autres sans aucun effort tu vas pas craindre que tu vas en manquer ou tu vas pas craindre que si tu donnes plus de respect les gens vont finir par t'écraser non cette équation euh, n'est pas n'est pas équilibrée euh, il ne peut euh, s'avérer vrai euh, parce que quand on donne euh, et parce que notre verre est plein, on ne craint pas qu'il euh, qu soit en manque. Donc du coup, les gens, automatiquement, c'est une équation de, euh, parmi les lois avec lesquelles Allah azawogel, il gère cet univers. Donc les gens vont vous aimer, ils vont vous considérer, ils vont vous respecter parce que vous êtes la source même de euh, tous ces belles sentiments et toutes ces beaux émotions. Je crois que je vais m'arrêter là. Là, j'ai fait un petit café et tellement j'ai parlé, il est froid. En tout cas, j'espère vraiment que euh, cette vidéo est claire euh, pour vous. Euh, C'est un début, donc euh, gardez en tête que tu as été créé pour l'adoration, entre parenthèses, évoluer, ne pas laisser ton ego te diriger, d'accord, ton karine prendre la place et diriger ta vie à ta place, euh, pour qu'Allah, Azzawajel, t'aide à intercepter ces messages que tu as au quotidien pour pouvoir saisir les opportunités et être présent dans ta vie. Donc il va t'apprendre petit à petit. À chaque fois que tu vas appliquer, tu arriveras à une étape et chaque étape sera une victoire pour toi jusqu'à ce que tu maîtrises les règles du jeu. Parce que, comme Allah l'a dit, Donc, la vie est un jeu et un amusement. Donc, quand tu réagis, toujours l'exercice du témoin, c'est-à-dire euh, considère que toi, tu es une chose, d'accord Il y a le vrai soi, il y a l'ego, et toi, comme troisième personne, à l'extérieur de ce jeu, et c'est à toi de décider à qui tu veux donner le ballon, à ton ego ou à, ton vrai, à ta vraie nafsataroha, donc à ton âme qui provient d'Allah. Donc en fait, quand c'est toi qui prends le contrôle, même des fois quand tu feras le mauvais choix, tu seras content parce que tu sais que c'est un jeu, tu es conscient que à la fin il y aura un résultat négatif, une conséquence négative, mais tu vas l'assumer. En étant épanoui là-haut, on t'amuse. C'est comme si tu t'amusais. C'est pour cette raison, Allah euh, quand il a parlé du temps, euh, Allah il a comparé, par exemple, l'équivalent de, euh, je ne vais pas dire une bêtise, 50 000 ans euh, ou 50 ans, je ne me rappelle plus exactement, comme euh, l'équivalent d'une heure, d'accord Et en fait, quand tu vas intercepter les messages, tu vas les comprendre. Quand tu vas prendre du recul, tu vas devenir conscient qui gère ta vie, toi ou l'ego. Quand tu vas apprendre les règles du jeu du mektoub et de l'Hadar, quand tu vas devenir sage, d'accord Donc c'est toi qui décides. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Allah Azza wa Jal Zaman. Le temps devient très court. C'est-à-dire que tu peux euh, exécuter et réaliser ce qui peut prendre 100 ans en une heure. J'espère que le message est bien compris par tout le monde. En tout cas, je vous aime de tout mon cœur. Je vous remercie de prendre le temps de regarder ces, ces vidéos que je poste au quotidien. Qu'Allah vous aide, mais n'oubliez pas qu'Allah n'aide jamais al Qaum al ou al ad quand tu es injuste envers toi-même ou envers les autres en les critiquant, en les jugeant, en les condamnant. ou... Euh, en mettant la cause sur les autres, tu es injuste. Donc, ne n'espère pas euh, connaître le chemin de la guidance si tu, fais par, euh, tu es parmi ces gens-là. Donc, change de chemin, d'accord. Concentre-toi sur toi-même. Ne change pas ton extérieur parce que je sais beaucoup quand ils sont sur ce chemin de développement personnel ou ce chemin per, euh, spirituel, euh, bah du coup, ils vont euh, Enfin, ils deviennent des orgueilleux et comme quoi, comme si c'était les seuls à voir cette vérité. Donc, ils commencent toujours par vouloir changer les gens et c'est là où ça bloque et c'est là où les gens ben, ben, vont commencer à les critiquer davantage. Et après, ils disent Ah, bah ben, votre truc de développement personnel, de spiritualité, c'est du n'importe quoi. Ma vie avant était bien, maintenant j'ai que des problèmes. Non, c'est parce que euh, tu as pris le chemin inverse. Donc, tu as voulu changer ton monde extérieur alors qu'il faut travailler sur soi. Euh, je m'arrête là. Ça fait beaucoup. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui vont être très intéressantes et très bénéfiques, j'en suis certaine, pour la majorité d'entre vous. Salam alaykoum wa rahmatoullah.